Hey, salut à tous, c'est Mister Ratna, j'espère que vous allez bien, moi super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur une vidéo donc sur Brawl Stars. Brawl Stars qui est un nouveau jeu de Supercell. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un petit pack opening de tous les coffres que j'ai stackés. Et dans une autre vidéo, je vous présenterai un peu le jeu et je ferai des games avec des amis. Donc c'est parti pour ouvrir les petits coffres que j'ai accumulés. Donc on va ouvrir d'abord ça. Ah oui, j'aurais dû vous montrer les brawlers que je n'ai pas. Alors c'est une boîte brawl toute simple. Ok. 4 El Primo. 10 ricochets. Et 2 tickets d'événement. Bon, moi je me plains pas. Parce que vraiment 2 tickets d'événement c'est pas mal. Parce que des bonus on en a pas souvent. Donc les brawlers. Donc il me manque tout cela, donc Daryl, toutes les légendaires, toutes les épiques et toutes les mythiques. Donc si j'ai au moins une légendaire ou si je débloque au moins un brawler, je suis content. Donc on va prendre... Non, les points de collecte, on les prendra plus tard. Au cas où si j'ai des bons trucs. Donc c'est parti. Hop, 7 Jessie, c'est pas mal. 8 Brock non plus. On a un petit bonus. Ça c'est cool. 3 tickets d'événement, plutôt pas mal la box brawl. Donc on ouvre 13 pièces, 4 cotes et 4 Nita. Bon, celle-là un peu moins bien déjà. Allez, il nous en reste 21 à ouvrir. 16 pièces, 6 de cotes. 25 de ricochet, ah c'est beaucoup beaucoup, c'est bien, mais ricochet je joue pas beaucoup, c'est celui que j'aime le moins. Et un ticket d'événement. Bon, ça va être bien pour les les événements. 30 pièces, c'est plutôt pas mal. Boule 6, bon ok, j'aurais préféré un peu plus. Encore le problème c'est que c'est ricochet qui se prend tous les gros points. Et que je ne le joue pas du tout. 3 gemmes, bon, c'est pas mal. Un autre brawl. Alors, 20 pièces, c'est pas mal. 6 pouvoirs de boules, toujours pas assez. Moi, je voudrais que les boules et Shelly, tout ça, ça soit au dernier point. Mais regardez, c'est ricochet à chaque fois qu'il se prend les plus gros points. Donc là, je vais pouvoir le up. Mais le problème, c'est que moi, je ne joue pas du tout ricochet. Je vais vous montrer les brawlers. Donc j'aimerais avoir principalement de la Shelly. Shelly, j'aimerais avoir du costaud, ce serait pas mal. Tout sauf du ricochet en fait. Ricochet c'est vraiment le truc que je ne veux pas avoir. Donc c'est parti. Ce sera la box. Une box ball. 30 pièces c'est pas mal, c'est pas mal. 4 Brock. Et Colt. Enfin, pas de ricochet. Mais à part les pièces, c'est une box vraiment nul, on peut se dire. Donc, une autre Brawl Box. Excusez-moi, 30 pièces. Je crois que le maximum, c'est 70. 6 points de boule, toujours pas assez. Ah, 6 points de Shelly aussi. Bon, bof. Cette box aussi est bof. On enchaîne des box pas trop ouf. Je m'attends pas à avoir un nouveau brawler. Hein, parce que... Donc, 4 points de Poco et... 6 points de boule. Parce que j'ai regardé des vidéos déjà de pack opening. Et franchement, la chance est infime d'avoir une légendaire. 13 pièces. Bon, c'est pas ouf. 6 points de boule. Toujours pas ouf. Et 15 points de Nita. Alors, ça fait vraiment plaisir. Parce que Nita, j'aime bien ce perso. Et 15 points, c'est vraiment pas mal. On va s'ouvrir une grosse box. Allez, c'est parti. 50 pièces, c'est correct. 9 points de boule. 10 points de Shelly. Et 10 points de Jessie. Avec un petit bonus de 1 ticket. Bon. Pas folichon. Donc, on ouvre une autre Brawl Box. 13 pièces.
5 points de Jessie et 6 points de Shelly. C'est pas mal. C'est parti pour notre box. 15 pièces. 4 de El Primo. El Primo qu'on n'a pas encore eu. Donc El Primo, ça fait plaisir quand même. Et 6 points de boule. Ok. On ouvre le box. 15 pièces encore. 7 points de Brock. Donc qu'on pourra up, ça c'est bien. 10 points de Penny. Et 5 gemmes. Alors là, c'est vraiment très bien, 5 gemmes. Vraiment très bien. Allez, c'est reparti pour une autre roll box. 12 pièces, c'est pas mal. 6 points de Poco. 15 points de Jesse, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est bien. Encore une petite roll box. Quand on va s'ouvrir à une grosse. Colt, 5 points de Colt. 10 points de Jesse. Et 1 ticket d'événement. Donc les tickets d'événement m'aideront à gagner d'autres petites brawl box comme ça. Allez, on s'ouvre une grosse box. 73 pièces, c'est correct. 10 points de Colt. On commence bien. 11 points de Brock. Et 13 points de Bartaba. Allez, on continue à s'ouvrir des petites boxes. 23 pièces, c'est plutôt pas mal. Jessie, 5 points. Nita, 15 points. Qu'on peut up, c'est très bien. Et un ticket d'anneau. Alors, je vais up certains, je vais up elle. Donc, Nita, qu'on a pouvoir 6, ça c'est très bien. Et Brock. Ricochet attendra. Alors, on ouvre la petite box. 30 pièces, pas mal. Colt, 5 points. Shelly, 15 points. Alors, ça c'est très bien pour Shelly. Alors, c'est parti pour notre petite box. 18 pièces. 4 Shelly. 4 points de Shelly. Et 25 points de Bartaba, c'est très bien ça aussi. Bon, on n'a pas l'air de débloquer grand chose. On va améliorer Bartaba. Donc, point de niveau, pouvoir de niveau 5. Bon, on n'a rien débloqué. Bon, tant pis. Après, je m'y attendais pas forcément. Parce que je me disais si je pouvais débloquer 24 pièces, peut-être un super rare, ce serait bien. Mais bon, il y en a. Je sais pas. 6 points de Brock. 6 points de Jesse, toujours pas. Et un ticket d'événement. 5 petites boxes. 18 pièces. 5 points de Shelly. 6 points de Jesse. Notre petite box. 13 pièces. 10 points Nita, alors ça c'est. On part bien. Et 15 points de Shelly, vraiment pas mal. Mais toujours pas de nouvelle carte. La grosse carte Shelly. 107 pièces, c'est énorme. Dans les grosses boîtes, 107 pièces, je crois. Il me semble que c'est énorme. 20 points de Colt. Et 36 points de Brock. Donc cette box a été géniale. Bon. Moi, je m'attendais à une nouvelle carte, mais bon, franchement, elle était bien chargée cette box. Un ticket d'événement et 8 gemmes. 8 gemmes, c'est vraiment pas mal. Ok. Alors, il nous reste 3 petites boîtes. Est-ce qu'on va le faire avec 3 petites boîtes? Le Primo, 4 points. Jessie, 6 points. Toujours rien. 20 points, 20 pièces, excusez-moi, 4 points de Shelly et 6 points de Nita. Il nous reste une box. C'est parti.
21 pièces. Et pas de nouvelle carte débloquée. Bon. Et c'est Jesse. Ok, bon, on va récupérer ça. On a encore une grosse boîte, mais... Je ne pense pas. Je vais essayer de la up maximum chez lui. Faire les 5 pièces. Et on va tout remettre sur chez lui. Voilà. Chez lui, je vais essayer de la up. Donc la grosse boîte. Bon. 48 pièces, c'est pas top top. 8 ricochets, c'est pas top non plus. 12 bar tabac non plus. 30 Jesse. Bon, on peut appeler Jesse, mais nous n'avons pas débloqué. Et un ticket d'événement. Bon, bah, on n'a pas débloqué ce pack opening de nouvelles cartes. C'est dommage. J'espère en avoir au moins une, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous rappelle qu'il nous manque Daryl, Polly, Pam, Frank, Mortis, Tara, Spike, Korbach et Léon. Donc beaucoup de cartes. Hein. Donc je vais dès à présent améliorer. Broken beyond repair. Jessica, joue pas mal. Les autres, on verra après. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. C'était Mister Jaretna. Tchuss. I'm a slave.